J'ai dit, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Hier, c'était la journée mondiale de l'endométriose. Toi là, tu as partagé quelque chose de l'endométriose? Toi, est-ce que tu as partagé quelque chose? Pourquoi tu n'as pas partagé? Parce que tu ne te sens pas concerné. C'est pour cela que tu n'es pas concerné, donc tu ne partages pas. Et pourtant, il y a une cousine, une copine, une voisine, une tantine qui est susceptible d'avoir l'endométriose. Parce que l'endométriose, ce n'est pas simplement des règles douloureuses. D'accord, ce n'est pas que ça. Les règles douloureuses qui sont invalidantes et handicapantes, ce n'est pas normal. Il peut y avoir une suspicion d'endométriose, donc il faut aller consulter. Et le meilleur moyen de sensibiliser les gens, eh bien, c'est de partager les vidéos, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'on est dans un pays où tout est tabou. Oui, oui, chez moi, le Sénégal, c'est tabou. Tu ne peux pas parler de sexe, tu ne peux pas parler d'infertilité, tu ne peux pas parler de fausse couche, tu te drogues, c'est tabou. Tu fumes la cigarette, c'est tabou. Tu regardes des films porno, c'est tabou. Tu es infidèle, c'est tabou. Tu es en dépression, c'est tabou. On va toujours te dire, yo, khana gmo yalla. Toi, tu ne crois pas en Dieu. C'est comme cela. Donc, tout le monde fait comme si ça allait bien. Et les Facebook, ça déborde de témoignages en anneau. Anneau 1, anneau 2, anneau 3, anneau 4. Anneau 1, anneau 2, anneau 3, anneau 4. Anneau. Parce que tu ne peux pas venir sur la place publique pour te confier. Tout le monde joue à « Je suis super bien, ma vie, ça va super, mon couple, ça va super, mon travail, ça va super, mes enfants, ça va super, et moi, je suis super bien. » Arrêtez ça. Donc, comme on ne peut pas parler de l'endométriose et des saignements, parce que ça saigne, ça coule, c'est tabou. Comme cela, les maladies gynécologiques, c'est tabou. Les kystes ovariens, les ovaires polykystiques, toutes ces choses-là que plein de femmes vivent, quand ils créent des groupes pour leur vie, venez, on va en parler. Tu es la seule à parler, tu es la seule à faire des vidéos. Mais moi, toute seule, je ne peux rien faire, donc j'ai besoin de vous. Il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner, d'accord? Il faut vous abonner. Ma chaîne YouTube, ça s'appelle Mademoiselle Ando Positive, vivre avec l'endométriose. Ma page Facebook, ça s'appelle Mademoiselle Ando, vivre avec l'endométriose. Il faut sensibiliser parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. À cause de l'endométriose, moi, je n'ai plus d'utérus. On m'a enlevé l'utérus. Je n'ai pas d'enfant. J'ai souffert des problèmes d'infertilité. Oui, mais je parle. Et puis, on dirait que ça ne marche pas. Arrêtez ça. Va t'abonner, ouais, dépêche-toi. Va t'abonner, file, dépêche-toi, vite, j'ai dit, soyez dimanche.